Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et ce vlog en fait, ça va être une grosse surprise pour ma petite sœur Meysa. Enfin, Auréa aussi est dedans, mais c'est plus Meysa en fait qui est... Et là, c'est son rêve que je vais réaliser. C'est vraiment un truc de malade mental. Si vous me suivez sur Insta Story, vous savez déjà ce que c'est. Si vous n'êtes pas encore au courant, ça veut dire que vous ne me suivez pas du tout sur Instagram. N'hésitez pas à aller checker mon Insta, à me follow parce que je fais des stories tous les jours. Elle n'arrête pas de me parler de ça depuis des mois. Et après, vous allez voir sa réaction quand je vais lui dire ce que c'est. Vous allez voir, elle va péter les plans. Elle va... Et c'est n'importe quoi. A tout de suite les gars. Donc là on a mon vlog de la semaine. Dis bonjour à mon vlog de la semaine. Bonjour ton vlog de la semaine. Et là on a... Tu t'appelles comment? Je m'appelle Meysa Oussini, j'ai 14 ans, j'aurai bientôt 15 ans dans 3 jours. Et je veux comme cadeau le concert de Nicki Minaj et RK mais... Nicki Minaj c'est bon, ça se vend plus les places, wesh. Ça se vend plus... Mais si elle refait, tu me la fais. Elle va refaire dans 4 ans là. Non. Si. Minarza. Et toi? Coucou. Moi je... C'est trop pris, c'est gênant. Ah on dirait un caca. Salut, je m'appelle Auréa Oussini, j'ai 13 ans bientôt 14 ans, 5 avril. Voilà. 5 avril ouais. Tu veux quoi comme cadeau toi? Parce qu'elle, elle dit ses cadeaux. Moi je veux. Je veux un voyage. Où ça? Un voyage n'importe où, genre où il y a du soleil et tout. Genre tu veux bronzer et tout. Ah mais attends, moi j'ai une question pour Meysa, c'est c'est dans 3 jours ton anniversaire? Oui. Tu vas le fêter ou pas? Mes copines m'ont dit, on a une surprise pour toi. Je voulais fêter, mais elles m'ont dit, j'ai une surprise donc fais rien, je dis ok. Moi j'arrive. Je vais aller mettre mon téléphone. Toi, c'est quoi cette Ronis que t'as là? Ronis, ça veut dire crotte. Ronis, ça veut dire crotte. C'est quoi cette crotte? Mais Ronis, ça sonne mieux. Alors, moi, je suis dégoûtée parce que je croyais que le concert de Minaj était le 17 mars. En fait, non, c'est le 7 mars. Je suis dégoûtée parce qu'il n'y a plus de place. Je vais pas partir là, je vais regarder des stories des gens. En plus, ça coûte cher. 80 euros la place. C'est l'amour. Tu vas avoir l'amour de ta soeur. Amour de ma sœur, 80 euros. Bah oui, c'est 80 bien. Euros moi, 80 euros Meysa, 80 euros Auréa, 80 euros Junior. C'est pas sa chose préférée. Moi, c'est ma chose préférée depuis que j'étais petite. Ok. Bah, depuis non. Depuis que j'étais petite, je twerkais sur ses musiques. Twerkais, viens ici. Twerkais. Toi, tu twerkais. Je suis émue. Mais hey, elle a dit twerkais. Auréa, tu es. Ah oh. Je suis émue. C'est émue de. Parce que je suis dégoûtée. Elle pleure. Auréa, est-ce que tu comprends qu'une personne puisse pleurer juste parce qu'elle va pas au concert de Nicki Minaj? Pas moi. Non. Ah. Pourquoi je comprends pas? Explique. C'est genre... Pourquoi tu vas pleurer? C'est comme... En fait, c'est comme... Quand tu vas la voir, tu vas pleurer. C'est comme si maintenant, genre, une copine à moi va partir au concert de... Ah, mais moi, hier, j'ai pleuré parce que dans 3 jours, c'est la rentrée. J'attends que tu partes parce que je veux parler devant les abonnés de ma sœur. Alors, bonjour. Bonjour les gars. Je vais vous dire un truc, moi ce que je voulais pour mon anniversaire, genre mode, comme genre Noureen c'est une fille, c'est ma soeur et tout, je croyais qu'elle allait m'offrir deux cadeaux, un billet concert pour RK, un billet concert pour Nicki Minaj, mais en fait non, c'est une mauvaise nouvelle. Je me faisais des idées dans ma tête, je disais ouais peut-être elle va m'acheter un billet et tout, mais en fait non, elle va rien m'acheter, elle m'a rien acheté pour mon anniversaire, je sais même pas qu'est-ce qu'elle va m'acheter. Je pense qu'elle va vraiment m'acheter des chaussettes et tout. Le mois prochain, je vais aller voir le baladin en plus. Qui? Le mois prochain. Tu vas voir qui? Je vais voir. Ah oui, j'avoue, c'est vrai, moi aussi. T'avais pris deux places. Tu veux venir? T'aimes aussi qu'on balade? Qu'on balade RK et Nicki Minaj, je vais aller dans. Oh. Mais c'est pas que. RK et Koba, c'est le meilleur rappeur français. Et Nicki Minaj, c'est la pourquoi queen. Pourquoi tu cries, ouais, okay. Parce que j'ai énervé. Elle ment. Tu mens quoi? T'as dit Nicki. Là, elle a dit Nicki Minaj après RK. La dernière fois, j'ai dit RK ou Nicki Minaj, on m'a dit RK, Nicki Minaj, comment elle a dit? Bah oui, mais Nicki Minaj, c'est. Nicki Minaj, c'est une meuf. Mais quand on me dit, tu pourrais parler donc au concert de RK ou comment elle a dit, j'ai RK. Auréa, toi, t'es fan de qui? De personne. De la même. Bitch, I'm the 16, I like to cash it, call him papi with the ace, I keep me wacky, I'm from New York, so I'm cocky, the whole way to the chalet. Moi perso, j'adore ton rouge. J'ai sorti le bleu là. Bon guys, on va aller manger donc, oui, j'inquiète pas. Là, on va aller faire un mukbang ce soir, donc c'est soirée vidéo. Ok, faites des DJ, journées. Lance la musique. Les meufs dans le puer, il faut... Okay. Acheter ça à 1€. En fait, je vous ai ramené deux trucs de quand je suis partie aux Philippines. Ouais. Donc, vous voulez lequel? Le bleu. Eh oh! Oh! Vous kiffez? C'est des petits porte-monnaie. Oui. Même si on n'a pas d'argent, mais bon. T'as pas d'argent? Carte Navigo. Attends, regarde. Donc, toi, t'as pris quoi? Éléphant. Donc, là, il y a
éléphant. Et toi, Auréa? Rabbit, ça veut dire lapin. Vous allez faire quoi? Elles vont faire une miniature. Non, je rigole, c'est pour vous annoncer qu'on va partir au concert de Nicki Minaj. Non. Si, j'ai acheté 4 billets. C'est pas vrai. Si. Bah, super. En fait, j'ai acheté un billet pour moi, un billet pour Meïssa. Et c'est tout, et Junior, et toi, non. Ah, je sens comment là, tu es. Eh oh. Je sais pas, j'ai envie de sortir. Par contre, bah, crie. Je vais pas pleurer. Tu veux crier, crie. Je suis vraiment heureuse, mais je veux pas montrer ma joyeuse. Ma joie. Pourquoi? Parce que je sais pas, je suis. T'es émue? Je n'ai pas les mots. Je suis très contente, c'est le meilleur cadeau. Voilà. Moi, je suis ni choquée, ni émue. Si, moi aussi. Putain, on s'en fout, c'est pas ton rêve. Elle, c'est son rêve. Ton rêve, c'est tu rêves des trucs, c'est tout. Aurélia, tais-toi, merci. Tais-toi, vraiment, tu sers à rien. Voilà, maintenant, allez. C'est le meilleur cadeau. Ça te dit, moi, je vais la voir twerker et tout. Non, mais Starfelt, pense pas à ça, wesh. Tu veux voir sans boule, c'est ça? Non, je veux voir, mais Tu vas nous faire une presta de Nicki Minaj si tu mérites ce billet ou pas. J'ai une presta. Une prestation, une. Tu chantes comme si t'étais Nicki Minaj, toi, Nicki Minaj. Okay. Voilà. I'm explain, c'est Play Jane. Avec I'm explain. Why you probably never see me? I push a Lamborghini to touch a magic like Houdini. My body shape like Genie. Yes, I told them to get tired of some jewelry when you leave me. I got hard in the proof. We give eyes, give a love. I'm a passion millionaire. Et après, elle rame, je sais pas. Bitches! 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 This is pretty as to taste. I push it past the taste. Je suis vraiment très contente et choquée. Donc, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à chanter. Faut me laisser tranquille. Ok, on va la laisser tranquille, donc on se retrouve dans quelques minutes. Vraiment... Au concert. Alors salut, j'ai pris la caméra de Nouren, je sais pas, mais genre c'est le meilleur cadeau qu'on m'a offert de toute ma life, genre. Nouren, tu vois cette vidéo, je t'aime énormément, beaucoup. Excusez-moi. Genre vraiment, quand elle me l'a annoncé, je sais pas comment le prendre. Parce que je suis actuellement choquée et contente. J'ai envie de frapper tout le monde, de prendre quelqu'un et de le secouer et tout. Genre je lui dis je vais aller voir Nicki Minaj et tout. Et genre, je sais pas, mais je me suis jamais dit, je vais voir Nicki Minaj. Depuis que je suis petite en Algérie, j'écoutais sa musique et tout. Je disais, un jour je vais la voir et tout. Genre, là c'est le jour, le 7 mars. Et dans 3 jours, c'est mon anniversaire et c'est le meilleur cadeau qu'on m'a offert. Genre là, tu me ramènes un iPhone XS Max. Je vais pas être contente comme j'ai déjà été contente. Nouren, je t'aime beaucoup. You are my best sister. I love you so much. And you are beautiful. Bisous et Nicki Minaj, you pass for this video. I love you so much. Beautiful. Yeah. Voilà, Meïssa, est-ce que tu es contente? Je suis très contente, c'est le plus beau jour de ma vie. Ah oui, c'est le plus beau jour de ta vie, carrément. Et toi, Aurélien? Je suis très contente. Bah, je suis contente, oui. Moi, c'est bon, je suis contente. Viens, viens, 1, 2, 3. Mais qu'est-ce que c'est qu'une quiz? C'est quoi une quiz? Au concert alias la queen, yeah. Oh my god. Je suis actuellement choquée. Je vais danser, je vais crier, je vais tout faire. A chaque fois que je te vois, je rigole. Je suis contente parce que tu m'as offert la meilleure surprise au monde que je voulais avoir. Merci. Et je pensais pas. C'est-à-dire je suis quoi moi? T'es la meilleure sœur au monde, genre. Ah. Vraiment. Meilleure sœur au monde. Donc là, on attend. On a vu quelques abonnés, on a parlé avec eux et tout. Archi cool, archi mignonne. Ah, je suis rose. Bah, j'ai pas. Ouais. I'm true, y'all. I go hard.
ma vie. Ok les gars, on vous reprend dès qu'on rentre à la maison, comme ça vous allez nous entendre. Attends, attendez, en fait moi je veux pleurer mais j'ai pas envie parce que je suis contente. Moi j'ai déjà pleuré, c'est bon. Non, moi je veux pleurer mais j'ai on pas vous reprend dans quelques secondes, à tout de suite. Oui. Donc là les gars, on vient d'arriver à la maison avec monsieur Junior. Moi, et on a Meïssa. Donc elle a pleuré en fait. Elle a pas voulu nous le dire. Moi j'ai, ouais, pleuré, en fait, j'ai pleuré direct. Non, moi j'ai pleuré mais quand en fait quand elle est rentrée, quand je l'ai vu et tout, j'ai pleuré, j'ai baissé genre modifié ça. Ok. Ah non, moi j'ai pleuré vers la fin. Non. Moi quand elle a fait ce discours à la fin, genre j'étais là en mode non, oh my god, ça me rappelle trop. Moi j'ai pleuré quand je l'ai vu. Mais parce que je rêvais, on comprend rien. Je rêvais en anglais donc on peut pas comprendre. Si, moi j'ai compris quand tu dis ta gueule, merci. Attends, je peux poser une question. Ça quand dit fuck naked tout big fat ass. Ouais, moi j'ai compris que les gros mots, genre elle a dit fuck bitch. Vous êtes fiers de vous? Oui, twerk it, twerk, big fat ass. Je tenais juste à dire que Nicki c'est vraiment une de mes idoles quand j'étais petite. C'est grâce à elle en fait que j'ai fait plein de trucs dans ma vie, comme du coup m'inscrire au truc Miss Globe Algérie, faire des concours de beauté, commencer sur les réseaux et tout et tout. C'est grâce vraiment à Nicki, à Nicole Scherzinger, parce qu'en fait elles m'ont toujours archi motivée. En fait je vous explique, depuis que je suis née et tout, j'avais 4 ou 5 ans. Écoutez Nicki Minaj. Arrête de mentir, elle existe pas depuis que t'as 4 ans ou 5 ans. C'est quand alors? Parce que j'étais petite hein. Bah ça fait 10 ans qu'elle est dans le game. Bah ça fait 10 ans que je la connais. Ah j'avoue, t'as 4 ans. Ah oui, 4 ans, c'est vrai. J'ai menti, non. Ah j'avoue, t'as 14 ans. J'écoutais ses musiques, j'ai twerké, je dansais. Tu twerkais? T'as dit quoi? Non, rien. Voilà, d'accord. Je faisais des clips et tout. Et genre je me souvenais, je regardais dans la télé, même quand elle a fait le concert là, avec Lil Wayne, même elle twerkait comme ça avec le truc noir. Après je disais à mon père, achète-moi des trucs comme elle et tout. Oui, oui. Genre ça. Oui. Mon père il lui a envoyé la même casquette. Ah oui. Je te rappelle. Et chérie, elle est encore en Algérie. Sérieux. Elle était genre, ici, mais en vrai, elle est moche. Genre, mais Nicki Minaj quand elle la portait, elle est grave belle. Elle, oui, sur elle, elle est avec belle. Avec un sac poubelle, elle est belle, oui. Impossible. Je me dis, un jour, je vais voir Nicki Minaj et tout. Et genre là, quand tu m'annonces ça, c'est pas genre en mode un truc, genre en mode vite fait et tout. Mais ça, pour moi, c'est un truc qui, que quelqu'un ne pourrait jamais me l'offrir, sauf toi. Je sais pas si vous avez compris, mais ce que je ressens, c'est vraiment l'émotion. Je vais pleurer, mais j'ai pas envie parce que je vais avoir honte. Après, vous allez me dire, ah, tu pleures. Bref, je disais, bref, voilà. Juste, je suis contente parce que c'était mon rêve depuis que j'étais petite. C'est mon rêve et jusqu'à maintenant j'aimerais trop la revoir et... Mais pourquoi vous me dérangez dans mon discours? C'est bon. Reste là-bas. C'est bon. Quand tu me réalises mon rêve, c'est vraiment... Pas les mots, genre vraiment pas les mots. Et là juste tu m'achètes le concert d'RK après. C'est bon. Ah c'est bon, toi je t'achète un milliard d'RK de concert. C'est bon, après je t'aime, après tu seras la plus belle femme au monde. Non, après Nicki Minaj. Genre vraiment c'est incompréhensible ce que je vis en ce moment. Genre je vis ma meilleure vie. 2019 c'est mon année. C'est mon année, dis-moi pourquoi tu m'en veux. Auréa, qu'as-tu à dire par rapport à ça, à son discours? En fait elle s'en fiche, mais moi je parle ma discours, elle s'en a raconté toute sa vie. Nicki Minaj c'est la queen, ah, voilà, personne ne peut l'atteindre. Et les meufs là genre en mode les Katy Perry et tout, vous l'attendez. En plus elle a fait Nicki Minaj, elle va être déçue hein, parce qu'elle a mis dans sa story Happy Birthday Katy Perry, je sais pas quoi. Mais mon fils en fait, moi personne n'atteint même Beyoncé. Beyoncé, mais Beyoncé, Nicki Minaj elle est là, Beyoncé elle est là, ok. Je veux rien savoir. Toi t'es où? Toi t'es en dessous. Ah ouais, moi je suis une petite crotte, mais Nicki Minaj c'est vraiment elle a la couronne, genre en mode la big fat ass. Big fat ass. A crown ass. Nicki Minaj, you pass off this video. I love you so much. You are beautiful. You have a big booty. I love you so much. Écoutez-moi maintenant. Yes. Alexa, play Wake Pop. 2008, je commençais à connaître Nicki Minaj. Je faisais tout comme elle et tout. Je me suis inspirée d'elle. Je suis vraiment là. T'as inspiré pourquoi? T'inspirer pour quoi? Pour faire quoi? Inspirer de... je me suis inspirée de ma voix. Attends, je peux dire un truc? Oui. En fait, genre, t'as réalisé son rêve et tout. Maintenant, c'est quoi ton deuxième rêve? Mon deuxième rêve, bah, c'est partir à Dubaï et rencontrer RK. Et toi, Auréa, t'as pas de rêve? Auréa, t'en as pas. Moi, je veux juste voyager et faire des trucs cool, c'est tout. Et bon, pour le trailer, Fabien. J'avais pas. Non, j'ai pas vu. Kiss. One kiss.
16 ans. Il avait un t-shirt. Dégueulasse. Plus jamais tu refais ça. Attends. Alexa. Bref les gars, à part ça, merci d'avoir vu ce petit vlog. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, j'ai réalisé le rêve de ma petite soeur. Je pense que tu réalises les rêves de tout le monde, hein. Même Winette, tu as réalisé son rêve d'Algérino, il va le voir. Je pense que t'es une réalisatrice. Ah oui, j'avoue. Une réalisatrice. Oui, j'avoue. Même Anaïs. Mais ouais, j'avoue. Parce qu'en fait, j'avais organisé le concert d'Algérino à Béjaïa et j'avais réalisé le rêve de plein de monde qui sont venus me dire putain, c'était mon rêve de le voir et tout, et tu l'as réalisé et tout. Ouais, truc de ouf. Merci Maïssa, c'est gentil de me le rappeler. Parce que j'oublie souvent les bonnes choses que je fais. Donc voilà les gens, merci d'avoir regardé ce petit vlog. Donc la vidéo, je pense que je vais l'appeler je réalise le rêve de ma petite soeur, quelque chose comme ça. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous avez intérêt à lâcher un gros pouce bleu parce que là vraiment c'est la meilleure vidéo de YouTube, hein. Tu peux dire un truc? Oui, tu peux. Par contre moi genre t'as réalisé son rêve, cadeau d'anniversaire. C'est quoi mon cadeau? T'en as pas. Toi, c'est 5 avril. Écoutez, s'il y a une marque qui passe par là, elle a une chaîne YouTube. Vous l'envoyez en voyage toute seule, comme ça on passe pas la tête. Allez les gens, on va arrêter de vous saouler parce que je pense qu'elle va parler de ça en fait. Depuis tout à l'heure en fait, elle parle que ça. Dans la voiture, quand on est sorti, quand on est monté l'escalier. Tout à l'heure elle parle de Alexa, ça. Alexa, ouais. Donc voilà les gars, on fait plein de gros bisous et je vous dis à vendredi 17h pour une nouvelle vidéo. Salut Alexa, play Lil Pump.